sentais que j'avais quelque chose de très fort à vivre en Polynésie pour peut-être mieux me connaître ou mieux me reconnecter. Pour les touristes de passage, l'éloignement est un luxe, propice à l'abandon, à la rêverie. Mais pour celui qui choisit cet exil dans la durée, l'éloignement signifie l'isolement, dont nous n'imaginions pas toutes les implications. On est bien ici, parce que voilà, je me plais bien, les gens m'apprécient, j'apprécie les gens, donc j'ai pas du tout envie pour l'instant de partir d'ici. Ah oui, ça m'embête, il me fume, puis je parle. Mais dis-moi, François, c'est mieux pour moi, la Nouvelle-Calédonie ? Bah, la Nouvelle-Calédonie... J'ai besoin de te parler là-dessus, François. François, ouais. Je suis désespéré. Ça passe très très vite à la journée. D'ailleurs, on se demande comment on faisait pour travailler, parce que je vois pas où je mets très vite aux 10 heures de boulot par jour, tu vois. Voilà l'accueil tahitien à Raivavae. Le taro. Super bon. Le sashimi. La salade de crabe. Est-ce que tu as des légumes ? Des légumes, il n'y a pas. Il n'y a pas ? C'est drôle les petits poissons. J'en ai vu. Hein. On dit parfois que voyager, c'est passer par les autres pour mieux aller vers soi. Pour nous, les habitants de Raivavae ont réussi cette synthèse. Dans la joie et l'espoir, ils accueillent le voisin autant que l'étranger, comme s'ils étaient des frères. Ce voyage-là m'a permis de me reconnecter avec moi, de moins avoir honte de cette simplicité en fait. Je me sentais radieuse.